Yo tout le monde, c'est Apollon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la boutique du 19 juin 2024. Avant que ça commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant mon code créateur KTT dans boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci, ça prend une demi-seconde et ça m'aide énormément. Du coup, on va monter tout en haut, même si c'est à mon avis la même chose. Et oui, effectivement, on a toujours tout ce qui est en rapport avec les séries icônes. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si quelque chose vous intéresse, mais je pense que vous êtes déjà au courant, rien n'a changé. Ensuite, c'est pareil, toujours tout ce qui est en rapport avec Metallica, bon ça pareil, donc on passe. Là, c'est encore tout ce qui est en rapport avec les skins de l'été, donc je passe. Ok, on a le retour des skins footballeurs, les tout premiers skins footballeurs qu'on a pu avoir comment, dans Fortnite. Donc, bah en plus, ça tombe bien avec l'Euro, il y a la Copa América et tout. Voilà. Du coup, les packs sont à 2500 V-Bucks, les deux, que ce soit masculin ou féminin. Après, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez, même le numéro que vous voulez. Bref, voilà. Séparément, tous les skins sont à 1200 V-Bucks. On a le droit au crampon d'or pour 500 V-Bucks, Vuvuzela pour 800 V-Bucks. Coup franc pour 500 V-Bucks, on a sans les mains pour 500 V-Bucks, on a joli jeu de jambes pour 500 V-Bucks et on finit avec carton rouge pour 200 V-Bucks. On continue. Bon, un skin d'Halloween, bon tant pis, après c'est pour les trucs sorcières, pour 1500 V-Bucks, c'est Sig qui fait son retour. On a du coup Delirium aussi, avec Magicien. Elmira et leur pioche, tout ça pour 3000 V-Bucks. Mais Fortnite, ils font tout pour sortir tous les skins d'Halloween qui peuvent ressortir là depuis 2 mois. Ils le font, hein. Et encore, il y en a certains, voilà, ils les ressortent comme ça. Tant pis, on a l'habitude malheureusement. Du coup, bah, vous voyez, il y a tous les ensembles, bah, tous les cosmétiques séparés. Et ils abusent, franchement, ils abusent. Là, je me demande si on est en juin ou en octobre. Du coup, on a Zinzin pour 500 V-Bucks, on n'a pas Croisé pour 500 V-Bucks, du coup, on n'a pas qu'à Corboros, pour moi, un skin d'Halloween. Vous, n'hésitez pas à me dire de quel, si vous pensez qu'il peut sortir toute l'année ou que pour Halloween. Bah, c'est vrai qu'il fait pas 100% Halloween, mais bon, pour moi, c'est un skin que j'associe à Halloween. Mais bon, voilà, comme je vous disais il y a quelques secondes, voilà. Le pack pour 2200 V-Bucks, séparément 1500 V-Bucks, 1200 V-Bucks et 800 V-Bucks. On a le retour de Lavandra pour 1200 V-Bucks avec ou sans lunettes. Vous avez son sac à dos et son camo. Sinon, on a le pack des gants de motard pour 1800 V-Bucks. Bic, leur pioche et le planeur pour 1800 V-Bucks. Séparément, c'est 1500 V-Bucks, 1500 V-Bucks, 800 V-Bucks, 500 V-Bucks. On continue, on a toujours tout ce qui est en rapport avec le poisson dans la boutique, tout ce qui est en rapport. Oh non, j'allais dire tout ce qui est en rapport avec Rocket Racing, mais on a une nouvelle voiture. C'est une collab avec Adidas. Adidas F50. Et là, vous avez tous les camos un peu habituels, on va dire. C'est sur la Jagger, ok. Et clac, pour 1500 V-Bucks. Là, rien n'a changé. Nouvelle voiture encore. Je pense que c'est pareil en rapport du coup avec Adidas. Toutes les camos habituelles et c'est avec la Cyclone. Là, dans Fortnite Festival, rien n'a changé. Toujours tout ce qui est en rapport avec Fortnite Lego, le pass Star Wars Lego, le club du mois de juin et les packs. Donc, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit 4,5 sur 10. C'est Apollon. À plus tout le monde!